Aquí tenemos representantes de toda esta tendencia y que lo hay polillas, hay una serie de materias. Pues para nosotros el desafío fundamental era precisamente hacer una selección que pudiera mostrar por una parte la riqueza de la colección, pero sobre todo acercar al público marroquí que no ha tenido muchas oportunidades de ver arte español, una selección importante que le permita conocer o acercarse a la historia de artística de nuestro país, ¿no? Aussi cette exposition qui a lieu aujourd'hui, c'est une forme de carte blanche aux deux commissaires qui ont fait eux-mêmes le cheminement, à la fois de tracer ce que c'est une collection de la Banque d'Espagne, un choix. Donc nous, en fin de compte, nous l'avons accueilli et avec bonheur. C'est la première fois dans l'histoire de la Banque d'Espagne qu'on fait une chose comme ça, non? C'est une grande exposition, c'est je pense 60 pièces qui ont été apportées pour cette exposition. La Banque d'Espagne a une collection magnifique vraiment, qui a commencé à être faite au XVIIIe siècle. Et maintenant, je pense que nous avons une représentation assez bien choisie, assez poussée, assez large de notre peinture pendant les derniers deux siècles ou siècle et demi.